Alors que vous jugez les criminels depuis le confort de votre trône, on vous amène un jeune noble. Vous déterminez rapidement que sa culpabilité ne fait aucun doute, mais le condamné n'est peut-être pas la meilleure solution en raison de sa noble extraction. Si vous la quittez, il pourrait s'avérer utile, en se voyant obligé de vous rendre la faveur. Tayo arrive à la cour et vous doit une faveur. Non, au cachot. Non, 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 tu gagneras pas de titre quoi que ce soit. Je peux piller. Et m'échapper. Ok. On va laisser et on va finir. Normalement, je devrais pouvoir piller le dernier. Mais j'ai jamais qu'il se casse. Et mercredi, je me suis fait attraper. Tant pis. Allez, on va se casser. Mon fils. Ok, bien. Elle fait preuve de gentillesse, m'embête pas. Ok. Et il nous faut la forteresse de Puck. On verra où elle est, cette forteresse. Je viens de perdre. Ah, on va mettre cet homme-là, parce que c'est un peu obligé. Et je n'ai pas de physicien. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. Et pouvoir du conseil accru. Non. Alors on va rentrer les armées et on va gérer le conseil. Tiens d'ailleurs, Zeta vient de tomber. C'est pas mal ça. La duchesse de Horrid qui fait le travail. Et donc, attends, si, oui, après, oui, aussi, tout dépend si tu as les DLC ou pas. Et donc, s'allier avec les Vikings pendant l'invasion pourrait être une bonne idée pour prendre l'Angleterre. Le problème, c'est que t'as meilleur compte à rester catholique avec tous les DLC. Puisque quand vont arriver les croisades, ça te permettra d'obtenir des territoires plus facilement. Après, ce que je conseille fortement. C'est de faire des mariages avec des duchesses, notamment par exemple, bah, t'as la duchesse d'Aquitaine qui, si tu te débrouilles bien, en fait, tu fais le mariage avant qu'elle ne soit héritière et tu fais en sorte que normalement ses frangins vont décéder et tu peux récupérer son titre. Alors, quand tu commences en normal, c'est-à-dire en 1022, un truc comme ça. Par contre, ben voilà, c'est essayer de trouver des mariages qui pourrait te permettre de récupérer des titres dans un premier temps, parce que tu n'auras pas la possibilité tout de suite de faire la guerre. C'est assez compliqué en tant que tribu, il faut l'avouer, hein. De toute façon c'est très très compliqué. Et une fois que tu commences à être duc, là tu vas pouvoir avoir de la puissance et commencer à prendre comté par comté, essayer quelques alliances avec des rois pour qu'ils te défendent, ce genre de choses. Après tu auras toujours du mal avec les Vikings, parce qu'au début du jeu ils sont très puissants. Ça vient à diminuer par la suite. Mais si tu arrives à tenir les Vikings, après tu pourras former l'Angleterre, enfin l'Irlande puis l'Angleterre sans grand problème. Qu'est-ce que tu veux toi? Non. Alors, déclaration de guerre. Donc, il y a deux personnes qui voteraient pour. Toi, est-ce que je peux congédier? Non. Acheter une faveur. Et toi? Alors, on achète des faveurs toujours au compte, hein. Essayer d'éviter d'acheter des faveurs aux gars qui ont vraiment. Parce que c'est beaucoup moins cher d'acheter une faveur pour un comte que pour un duc, hein, bien évidemment. Et normalement. Solliciter le soutien au conseil. Et voilà.
Donc la voie est approuvée, hein, pas de bol pour eux. Ça va pas leur faire plaisir, mais j'en ai strictement rien à faire. Le but c'est que le conseil on le muselle, et puis ça sera parfait derrière. Tu as déjà créé l'Empire de Grande-Bretagne en tant que catholique ou nordique? Oui. Bah, je sais que moi j'ai réussi. Enfin, alors, j'ai peut-être eu un peu de chance, mais en partant du comté de Desmond, j'avais récupéré le comté du Berry. Derrière, j'ai pu avoir le duché du Berry, le duché de Bretagne, le duché d'Aquitaine, et après j'ai pris l'Irlande et c'était fait quoi. Mais du moment que j'avais deux comtés derrière, j'ai explosé ce qui se trouvait en Irlande. Alors je dis pas que c'est facile, on est bien d'accord là-dessus, ça n'est pas facile du tout, mais ça se fait. Toi, tu as 9000 troupes et moi j'ai 14 000 troupes. Qu'est-ce que sont tes alliances? T'as pas de pacte. Mais celui qui te rejoindrait, c'est cet homme-là. Non, non, c'est à moi qu'il parlait, mais t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Bon bah j'ai de l'argent, je pense que je vais lui déclarer la guerre, on va pas faire non plus. On va pas faire 3 P1 canard. Bessarabie. Croatie. Dioclès, non. Non. Cornouva, bof. Marie, non. Milan, bof. Moldavie. Qu'est-ce qu'on irait foutre en Moldavie? C'est chier de tout le monde. Manteny, ça pourrait être intéressant, mais non. Raska, ça serait pas mal, hein, mais il y a mieux, je pense. Strimon, non. Sirmie, non. Thrace, bof. Transylvanie. Alors, je pense qu'on va partir pour Raska. Hein. On va partir pour Raska, ça nous permettra de nous rapprocher de ce territoire-là et puis déclarer la guerre si on a besoin de là-bas. Il faut savoir que Crusader Kingdom n'est pas forcément un jeu facile, surtout si tu démarres en tant que comte. Ça peut parfois prendre longtemps avant de s'étendre. Bien évidemment, c'est pas évident du tout comme jeu. C'est pas. On ne gagne pas sur Crusader Kings 2 en apprenant tout juste le jeu, c'est pas possible. Clairement, ça n'est pas possible. Ça demande des connaissances de jeu qui sont pas si évidentes que ça à obtenir. Ok, bon, alors mettons toutes nos armées ici. On va recruter un peu de mercenaires. Pour l'instant, on n'a pas d'ordre sacré. Alors, je sais pas s'il y a des ordres sacrés qui sont créés par le jeu. Mais bon, faut dire qu'on a du pognon, donc ça devrait aider. Et Tyrann, ouais, on va monter les murailles du château, par contre. Et je peux étudier une autre fois. Mais je m'en fous d'étudier une autre fois, en fait. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, est-ce que je peux écrire un bouquin? On va écrire un bouquin. Pas sur le martial. Diplomatie ou intrigue, non. Ouais, chronique de l'histoire familiale. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait augmenter notre intendance. Et on a réussi à convertir une nouvelle province. Donc ça, c'est parfait. On a besoin de piété pour pouvoir se battre. Mais non, mais je veux pas le tuer, ce con-là. Laissez-le tranquille. Bon, est-ce qu'on va bien assassiner cet homme-là? Oula, ça c'est pas bon, ça.
Donc là, bien sûr, on profite des faiblesses de nos voisins pour pouvoir progresser. Tout à fait normal. Le comte Avac de Galicie. T'étais pas de la bonne religion, toi. Et t'es d'une grande lignée, alors attendez. Mogebalgian. Ça pourrait être intéressant, vous voyez. Par exemple, de chercher des trucs comme ça, surtout que ça porte du prestige. Compétences de combat personnel, attire périodiquement de services de grands guerriers. Ah, si anciens abbélistes, d'accord, bon, c'est moins intéressant, mais vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Donc, se marier par exemple à une de ses filles permettrait de récupérer la religion, ce qui serait pas mal. Alors, par contre, on va en faire un diplomate. J'aurais dû lui attribuer un quelqu'un avant. Parce qu'on risquerait d'avoir des maranes à la course, ce qui m'intéresse moyen. Non, on va juste le jeter au cachot, l'autre, par contre. Ce qui nous donne de la diligence. Ça, c'est pas mal, la diligence. C'est une bonne chose. Par contre, il faut qu'on arrive très vite. Parce que ça sent qu'il va nous attaquer, cet homme-là. Ce qui me fait moyennement plaisir. Et votre vassal a usurpé le comté de Meknès. D'accord. Bon, elles sont siliciennes, c'est pas... En tout cas, je trouve que DLC Olifuré est vraiment bien. J'ai bien aimé notamment le système de couronnement des catholiques et la refonte des croisades. Le gouvernement impérial en Byzance est également assez intéressant. Oui, j'ai eu des échos comme quoi c'était. Moi, j'ai pas essayé de jouer au jeu sur la partie normale. Hein. J'ai joué que cette partie-là. Généralement, j'essaye de ne pas trop me spoil ce que je joue. Mais c'est vrai que c'est très plaisant de jouer, même en random. Ça peut surprendre, mais. Allez, allons-y au bras de fer. Ouais, on va essayer de rester magnanime avec cet homme-là. On l'a écrasé, mais c'est parce qu'il est mauvais, c'est tout. On peut pas lui en vouloir. Et on pourra attaquer cet homme-là bientôt. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on pourra lui récupérer des territoires par là ou par là. Et moi, affronter des anciens abellistes, ça me va parfaitement. Donc on va voir. Pendant ce temps-là, mes vassaux se font écraser leurs armées, donc ça me va parfaitement. Non, je ne veux pas être commandant. Et là, par contre, on est en colline. Donc les collines, on peut encore se débrouiller. Ah d'accord, il se balade lui, il essaye même pas de... Et ma femme aurait... voilà, la rougeole. Alors il faut savoir que la rougeole, c'est une maladie qui est très grave, qu'actuellement nous arrivons à combattre. Mais par exemple, pour tous ceux qui ne se font pas vacciner de la rougeole, et ça malheureusement c'est très dangereux, on a le cas aux États-Unis où il n'y avait plus d'épidémie de rougeole depuis très longtemps, et rien que cette année on a eu 2000 morts du fait de la rougeole. Une maladie que l'on considère comme inoffensive a fait 2000 morts en 2018. Sur une petite localité, hein, c'est genre sur 3-4 villes seulement. 2000 morts. Bonsoir à toi, Casario. Quelle est ta partie? Où es-tu en train de casser le jeu une fois de plus? Je suis en train de jouer en random, oui, en effet. Peux-tu montrer le système de lignée et le truc de combat dont j'ai oublié le nom? Les trois phases de combat, tu veux dire, ou comment? Parce que le système de lignée, pour l'instant, bah nous, enfin, on n'a pas de lignée à proprement parler, mais j'essaye d'en fonder une, si possible. Mon fils, ok.
Oh purée, mais oh, elle me fait du massacre là, la rougeole là. J'ai tous les membres de ma famille qui sont malades sauf moi. Bon, oui, ok. Et non, tu n'éduqueras pas les membres de ma famille. Et on a un ancien soldat mécontent qui s'est révolté. Bah, s'il veut. On ira lui botter le cul plus tard. Ok. On a besoin de soldats. On a besoin de soldats. Arrêtez cet homme en attendant. Bof. Je m'en fous, c'est qu'un petit compte, quoi. Ce sera un duc, je dis pas, mais d'ailleurs, Thèbes, est-ce qu'on peut pas améliorer Thèbes avec des lances missionniennes? Là, on va commencer à être un peu plus efficace. Ouais, c'est pas la bonne religion. On a un camp de cataphractaires ici, mais c'est très intéressant les cataphractaires, mais clairement, c'est pas ce que l'on veut actuellement. Et par contre, ils arrivent pas à tuer cet homme-là? Il mène des troupes à Arras, ok. Et cet homme-là se rend. Merci, c'est très aimable. Et pourquoi ça reste à son royaume? Vous foutez de ma gueule? Hein. Je me disais aussi qu'il y avait une erreur quelque part. Donc lui est de la bonne religion. Ok, ça c'est pas de la bonne religion. Et ça c'est pas... Ok, bon. Enfin si, c'est la bonne religion, c'est moi. Alors, cet homme-là. On va lui accorder le titre de race. Et lui, le titre de Raska. Excusez-moi. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je veux vraiment que ce soit des personnes de ma culture et de ma religion qui soient sur les trônes pour m'assurer que j'ai bien leur soutien par la suite, tout simplement. Et j'ai de nombreuses limites de vassaux trop importantes. Titre de Akai. Ah, j'ai pas assez de pièces, d'accord. On va attendre l'arrivée des pièces et on devrait pouvoir créer les titres. Non. Alors, j'ai pas beaucoup de titres. Alors, si en plus les gars ils essayent de récupérer mes titres, comment dire? Les cataphractaires, c'est de la cavalerie et c'est une cavalerie lourde qui était utilisée par l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, et qui est extrêmement puissante dans le jeu. Normalement, avec des cataphractaires, vous pouvez affronter des armées qui sont le double, voire le triple de votre armée. Notamment en défense, le triple, c'est vous pouvez largement les éclater. Et en attaque, éclater le double d'armée en face, vous pouvez le faire. Pour vous donner une ordre d'idée, quand vous êtes en phase de combat, alors je rappelle, il y a trois phases de combat. Vous avez la phase d'escarmouche, la phase de choc, puis la phase de poursuite. Les cataphractaires sont très très bons en phase de choc et en phase de poursuite. Et en phase de choc, je crois qu'en attaque, ils font un truc comme 50 d'attaque. Alors que une infanterie lourde, qui est très très bonne pour les phases de choc, fait 5. Voilà, pour donner une idée. C'est plus puissant qu'un éléphant de guerre. Donc c'est vraiment très très puissant. Et pire non. Je pouvais pas usurper le titre de d'Akai.
Ah. Et toi, tu as quoi? Voilà, déjà ça va faire moins de vassaux, c'est parfait. Très bien. Ok, bon bah on aura déjà avancé là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'intrigue ou quoi que ce soit? Oui, mon... Les factions dangereuses, il y a pouvoir du conseil accru. Bah venez, hein. On s'occupera de vous. A proposé de se rendre en mission en l'empire de Xinxia. Ma fille? Oui, vas-y. En espérant que tu me fasses pas honte. Bon, on va garder notre thune quand même. Oui, 18, ce serait bien qu'elle augmente. Parce que sinon, ils vont vouloir nous poser des problèmes. Ah, badaboum, le fumier. Si le fumier fonctionne, cet homme-là, on n'aura plus à s'en soucier. Oh, il est mort. Oh, la tristesse. Bon, bah c'est dommage, hein. Bon, suivant. Un petit enfant de 4 ans. Ça peut mourir vite, ça, non? Une vassale qui serait loyale de 31 ans. Trois personnes loyales au conseil. Ça serait juste rentable, ça. Trois personnes loyales au conseil. Un vassal de rang inférieur. Duc de Trébizonde. Non, non. Parce que le duc de Trébizonde, j'aimerais qu'il se révolte pour lui piquer son titre et le donner de ce côté-ci et nettoyer ce coin-là. L'empereur a l'air assez calme. Bah, en fait, il peut pas. Parce que c'est une menace. Il a une coalition contre lui, constamment. Il a une coalition tout le temps. Donc il n'est pas en capacité de déclarer des guerres. Alors je sais pas à quelle hauteur est sa menace, mais voilà quoi. Il est en coalition constante. Et même nous qui sommes une menace, alors techniquement on devrait avoir une coalition contre nous. Mais comme on est vassal, en fait, on peut s'étendre autant qu'on veut, on n'aura jamais de véritable coalition. Par contre, dès qu'on va devenir indépendant, la coalition va popper. Il a combien d'armées? 60 000? Alors après, c'est vrai qu'en termes d'armées, si on prend un peu les armées ou autres... On est la première force du pays. On fait 25 puissants de... On est 25% de la puissance armée du pays. Ce qui est énorme. Tout simplement énorme. Et pourtant, on n'est pas 25% de l'Empire. Hein. Clairement. Enfin, je pense pas. Non, non, on n'est pas 25% de l'Empire. 60 000 hommes, c'est énorme. En 950, c'est juste énorme, oui. C'est même monstrueux. Si je t'attaque, toi, est-ce que je peux t'attaquer? J'ai de l'armée de levée? Ah bah oui, j'ai oublié cette armée-là. Et je pourrais te déclarer la guerre et normalement mon suzerain ne pourrait pas venir me chercher. On pourrait partir pour la Pouli par exemple, ouais, ça serait pas mal. Parce qu'elle a pas beaucoup d'armées, hein, elle a 8 000 troupes. Alors sachant qu'elle est de la même religion que nous, mais c'est Clakizard, c'est une sorte d'hérésie de notre religion en fait, hein. Nous sommes aussi du groupe Clakizard. Donc en gros, c'est une hérésie, ni plus ni moins, hein. Oh, on est quand même bien, bien costaud hein, pour le coup. C'est vrai qu'attaquer cet homme-là, ça pourrait être très drôle aussi pour lui refaire une petite guerre qu'il aimerait bien. Pour l'Anatolie, par exemple. Enfin, l'Anatolie, les petites guerres pour un territoire, c'est moins intéressant que de prendre directement
Pex, par exemple, qui est carrément tout ce territoire-là, 4 comtés. On est en contact directement avec plein de monde. Ça pourrait être pas mal. Pest aussi. Pex, ça serait pas mal parce que ça l'affaiblirait suffisamment pour que mes vassaux puissent récupérer les territoires à côté. Ça va être compliqué de créer ton propre empire avec autant d'hommes dans l'empire. Gersan pour Chypre. Ouais, alors oui, en plus on est. D'ailleurs, on a une mission, j'y pense. On doit aller piller la province de Dantz. Ah, mais Dantzig! Mais c'est super loin, Dantzig! C'est ici! Ouais, on pourrait prendre Chypre. Ça permettrait d'avoir des bateaux. On va faire la guerre pour Chypre, ouais. Ça sera facile à défendre, ça sera pas plus compliqué. On va faire la guerre. Alors, on va juste baisser les armées qui sont beaucoup trop loin. Parce que, bon, même si c'est 700 troupes, ça commence à être risible par rapport à ce dont on a besoin. On va regrouper l'ensemble des troupes ici. Ah, je vois qu'ils ont des territoires, d'accord, qui traînent, ok. On va chercher ça. Et j'ai des territoires qui pourraient quitter l'Empire. Ça, je m'en fous. Duc de Pest. Ça m'arrangerait pas. Faudrait qu'on fasse un peu de ménage, qu'on regarde ce qui pourrait quitter l'Empire. Parce que normalement, on pourrait passer une loi aussi pour faire en sorte que les titres ne quittent pas le territoire. Mais pour ça, il va falloir qu'on augmente notre légalisme, ça c'est certain. Et c'est l'héritage réglementé. Voilà, ça serait passé en héritage, mais il faut être en légalisme niveau 3. Faudrait qu'on soit en illégal. Donc ça peut être un peu compliqué, on va dire, à défaut. On va laisser nos armées ici pour se battre. Et on va lever quelques... Enfin, quoique, on va faire même... Hop, tous ici. On va lever l'ensemble de nos armées là. Et là, si on a des bateaux... On doit avoir bien quelques bateaux qui traînent. Voilà, comme ça on devrait pouvoir gérer ça, je pense. Mais après, c'est vrai qu'on a la maladie qui pose problème quand même. Ah, voyons voir si on arrive à assassiner la personne que l'on veut assassiner gentiment. Après m'être investi dans cette entreprise littéraire, je me suis senti vidé récemment. Lorsque mes scribes m'ont demandé quelle devrait être la prochaine partie du livre, j'ai levé les mains au ciel. Comment pourrais-je savoir? Vous ne pouvez pas vous précipiter avec ces choses, j'ai besoin d'inspiration. Soit j'ai des vomissements, non, on va éviter. On va aller festivité nocturne avec les soldats. Et je suis blessé. Ah, ou un coup au crâne d'ailleurs, c'est pas top, mais ok. Oh, et cet enfant-là est mort. C'est triste. Ah non, il a pas mort. D'accord, il a réussi à s'échapper. Bah, il a eu de la chance. Alors, non, je veux pas tuer l'empereur. Et je veux pas devenir ton commandant. Décidément, ils m'en veulent, hein. Ils veulent me voir en tant que commandant. J'en ai pas du tout envie, quoi. Allez, essayons d'assassiner cet homme-là, s'il vous plaît. Et je suis balafré. Alors, balafré, c'est pas top, mais bon, on est un guerrier, donc... Oh, le monde est trop cruel pour les enfants. Voyez-vous ça? Je vois pas en quoi le monde est cruel pour les enfants, faut arrêter. Belle blessure sur le crâne, oui. Tu as beaucoup de bateaux, oui. Oui, 78 bateaux. Enfin, oui. Plus de 200 bateaux, oui. J'ai suffisamment de bateaux, je pense.